Man united. glory glory man united <clears throat> glory glory man united as the reds go marching on 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 welcome to our traffic it's the bitter of our dreams the power and the glory of the Shepherd for will sing the bosby boys will take the pitch to magic and defeat Bien, bonjour à tous, c'est Lex Benito. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma carrière avec Manchester United. Et c'est une rencontre importante puisque nous aurons la Super Coupe d'Europe face à Liverpool. On n'a pas beaucoup avancé hein, depuis la dernière fois. Euh, le début de la saison avec une défaite au penalty. Puis après, c'est que des victoires et un petit, une petite, un petit accrochage face aux Wolves qui font un bon début de saison. Euh, Quoique, pas forcément en fait. Ils sont où C'est quoi 15 e 15 e On en est au début de saison, mais voilà, je trouvais intéressant de faire cette Super Coupe d'Europe. Mais là, là, il y a une petite couille. Là, il là, y a une couille. 18 joueurs en stage avec leur équipe nationale. Et à Liverpool, il y a 11 joueurs, dont euh, voilà dont des blessés. Donc en fait, c'est n'importe quoi. Pourquoi ils ont programmé la Super Coupe d'Europe J'ai personne, t'as tout le monde tout le monde qui est en sélection voilà, tout le monde est en sélection, tous les joueurs européens sont en sélection, j'ai préparé une compo qui va ressembler à ça c'est n'importe quoi, Vinicius Junior Sancho, Greenwood, Delali, mes femmes, Alan, De Jong, Pellegrini Bastoni, Ruben Neves, Grimaldo Fabio Silva, Mbappé, Lindelof, Cordero Mubenga, Ricardo tout le monde est en équipe nationale il reste pas beaucoup de monde on a des mecs qui ont jamais joué euh, en équipe première, mais qui sont là depuis le début. Je pense notamment à Max Saylor, qui avait été pas mal, que j'avais prêté et que je trouve assez bon, parce qu'il fait souvent les préparations avec nous, mais qui n'est pas retenu. Parce que voilà, le mec il va jouer une super Coupe d'Europe. On a Josh Bowie, euh, voilà, euh, qui, va jouer, euh, qui va jouer une, une finale, euh, voilà, une super Coupe d'Europe. Le mec, et voilà, ça va jouer. Heureusement, on a Messi Dibala, on a Benkovic, on a Henrik Issaï. Mais derrière, ça, fait, ça part sur un milieu alu traoré traoré, avec, euh, avec Charlie McCann, par exemple. Par exemple, une défense avec, euh, avec Regan Pool aussi. Le frère de Deadpool. Ça fait quand même Kovar euh, dans la cage. Il y a des mecs, c'est le match de leur vie. Plus jamais, ils auront ça. Ils vont tout donner sur le terrain. Et sur le banc, ben voilà, on va pouvoir faire entrer Borna Sosa. On a Ethan Laird, qui n'est pas trop trop mal non plus, mais qui n'a pas forcément le niveau. Pour, pour jouer chez nous. Donc voilà, on est sur des mecs euh, qui ont été l'habitude de prêter un deuxième ou troisième div. Euh, ça rentre dans les vestiaires, il y a de la terre partout dans le vestiaire. Euh, voilà, on se douche à l'eau froide, euh, on prend la pompote à la mi-temps. Voilà, vous connaissez, c'est le foot amateur. Et bien là, on se retrouve face à Liverpool dans une super Coupe d'Europe pour des mecs voilà qui, pour eux, c'est le on va jouer avec 10 balles à Messi, on se pisse dessus. En gros, c'est un petit peu ça. Donc, je trouvais marrant quand même parce que Liverpool la compo, ça va être pareil, ça va être des mecs totalement sortis de nulle part qu'on n'a jamais vu. Euh, Peut-être des jeunes. Voilà, euh, on peut aussi. Euh, euh, je voulais mes jeunes, la plupart de mes jeunes sont prêtés. Voilà, il n'y aura pas de Paul Deschamps, il n'y aura pas de Kenneth Brown. Tous mes jeunes à gros potentiel ne sont pas chez moi, donc on se retrouve avec une équipe très remaniée. Et avec un niveau qui sera pas ouf ouf. Voilà, ça, ça risque de partir en couille cette finale. <laughs> et puis derrière, Derrière on va jouer de la première ligue face à Stock City et surtout le début de la Ligue des Champions face à Leipzig, qui est pour moi peut-être une des plus grosses équipes de, de ce groupe de Ligue des Champions. après on a l'autre équipe de Red Bull qui est Salzbourg en Autriche, donc peut-être un peu moins fort. Et Valence, pourquoi pas Valence, à voir. Mais Leipzig, euh, par habitude, ça devient qu 11e en Bundesliga. Le mauvais de ses buts de saison. Je crois qu'il n'y a eu que deux journées. donc euh, Ça peut s'expliquer. Il y a Eddie Salcedo qui a un fort potentiel. Qui n'est pas toujours exprimé à 100%. Euh, Dru ici, c'est fort. Fort même. Euh, il y a le petit jeune là. Lazar Samardzic. Lui, attention. Lui, les mecs, très très fort. On va l'observer parce qu'il faut que je trouve un remplaçant à Dibala. Euh, voilà, il ça, ça, y a Antonio Marine que j'avais chez moi, Samuel Bastien, le cousin, Dombele, euh, Savitzer. On est quand même sur une équipe qui, qui sera dangereuse. Passons tout de suite à ce match la Super Coupe de l'UEFA, euh, que normalement j'ai euh, déjà remporté à deux reprises, mais Stuttgart l'avait remporté l'année où ils ont remporté la Ligue des Champions de l'année suivante du coup voilà qui avait donc fait une, une très très belle euh, campagne c'est parti c'est parti c'est parti face à Antonio Conte ça va vraiment être bizarre comme match mais j'ai hâte euh, voilà de voir euh, de voir des mecs peut-être euh, qui vont qui vont prouver moi c'est ce qui compte c'est ce qui compte c'est pas euh, t'as combien de finitions t'as combien d'accélération t'as combien de dribbles ce qui compte c'est ce que tu vas montrer là sur le terrain T'as peut-être deux étoiles, Max Saylor, mais si tu fais le match de ta vie, euh, voilà, pourquoi pas. Alors en face, voilà, on est obligé de remanier, on joue avec Krovinovic en pointe, pourquoi pas. Euh, en soutien, il y a Ericsson. En milieu, ça joue avec José Antonio, il a 18 ans. Le mec, ben voilà, il vient d'arriver à Liverpool, il sait à peine parler anglais. Il joue avec Mohamed Salah, milieu central, voilà. <laughs> pourquoi pas Il y a Artus, l'humoriste. Ah, lui il est fort par contre, bon, on va peut-être se faire avoir parce que eux ils ont gardé leur leur petite pépite. Bon lui il est pas très fort par contre. Carl Collier, le collier de perles. Euh, Sam Fox, en défense centrale, avec, euh, ouf, là la Laskovski. Lui par contre on va lui mettre le bouillon les mecs. Là je prends le risque, je prends le pari. Moi je me fais paniquer par Tom Laskowski Moi je vous le dis direct. Euh, c'est déjà arrivé à l'équipe Liverpool. Je critique un joueur qui a zéro stat. C'est l'homme du match. Je suis contre que ce mec-là, avec 7 de marquage et 7 de tacle et 4 de tête, non, 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 tu n'arriveras pas à défendre face à Lionel Messi. Si ça, ça fume Messi, c'est qu'il y a un problème dans le jeu. Après, ça joue avec Kovacic un peu, petit peu plus bas. Donc, ça, c'est pas mal. Le gardien. Ah Le gardien est pas mal. Brinkemper. Lui par contre il peut nous poser des gros soucis. Il est pas mal, le, le Fabien Barthez euh, de l'époque. Il est pas mal. Il est pas mal du tout. Après, il y a Garduno, lui, qui, lui est fort par contre. Lui, il est très très fort. Euh, bon. Je pense que leur équipe est quand même pas mal. Moi, euh, bon, j'ai Benkovic et il n'y a que Poul qui. Encore ça va. Je pense qu'il va tenir la baraque. Mais j'ai des doutes un petit peu sur Kovar. Et sur le milieu, Traoré McCann, après on a quand même euh, Sailor, j'ai confiance en lui, je sais ce qu'il peut donner, et Messi d'Ibala, ça peut faire le taf. Ça va être marrant quand même, ça va être marrant après voilà. Euh, c'est une super Coupe d'Europe, hein. c'est pas... pas la première ligue. C'est pas Valiadolid, Bowie. Oh, il perd déjà le ballon, euh, David Bowie. Allez les mecs. Issaïe avec McCann. McCann, El centro vers. Bowie, oui, penalty. Bah ben là, là, c'est le Lionel. Là, c'est Léo Messi, le tireur de penalty, Le fameux numéro 6. Là, on va vendre des maillots. Hein. Par contre, là, j'ai fait la, la pire boulette de l'histoire. Et le penalty qui est marqué par Lionel Messi. Les yeux vers le ciel. Bon, ben au moins voilà. On prend l'avantage tout de suite si jamais on se fait fumer. Et ils ont changé la compo. Il y a Mohamed Salah qui est passé en pointe. Eriksen ici. Et c'est un petit peu plus logique là, leur compo du coup de mettre Salah en pointe. McCann. Avec Henrich. Henrich. On va décaler euh, Traoré. à Traoré. C'est bien ça, ça. Ça fait de la motivation pour les jeunes. Je dis. Euh, voilà je fais des pré-emprés. Je pars à Oxford. Je pars n'importe où là. Et finalement, je joue une finale. Enfin, je joue une super Coupe d'Europe. Surtout Charlie McCann. Il avait aussi fait la préparation avec nous. Attention, Messi qui perd le ballon. Salah. Salah. Avec Eriksen. Eriksen face à Kovar. Et l'arrêt exceptionnel du Kovar. Et on perd le ballon. Artus. Artus Bertrand. Eriksen. Avec Artus encore. Bon, attention à Mohamed Salah L'égalisation de Mohamed Salah Il n'y a, a pas de doute sur la finition de Salah face à Kovar. Un partout. Pas beaucoup de frappes de part et d'autre. Mais du réalisme. Allez les mecs, Dibala c'est bien tiré Golasso De Tyler Artus La mauvaise blague La mauvaise blague d'Artus qui finit euh, contre son camp. Et Brinkenper n'a pas pu euh, l'arrêter. Ça fait deux. Hein. Beaucoup, beaucoup de chance en ce début de match. Un penalty et, et un CSC. Parce que dans le jeu. Voilà, dans le jeu, c'est pas ouf ouf non plus. La récupération, Denrich. Henry, on va chercher Max Sailor. Le gamin, Sailor Putain Sailor Moon là Sérieux Je n'avais jamais pensé à ça là. Sailor Moon. J'ai personne sur le banc à mettre, de, mettre, de mettre Messi en pointe. On va faire ça. Je hein. passe Messi en pointe. On va, faire, euh, on va faire jouer lui là. Largi, Ramazzani. Oh my god, Largi, Ramazzani. First game in Manchester United. Ouais, après j'ai l'accent anglais, ouais. Ça, 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 ça prend. Ça, ça prend au fil du temps. Dibala avec Henrich. Henrich avec Bowie. Allez, avec McCann. McCann, la transversale. Issaïe. Isai encore, il est à clé. Ça va être récupéré par Paolo. Paolo d'Ibala, Bowie. Ah, C'est bien joué ça. On va aller rechercher Isai, On balance. On va chercher Hendrich. Golasso. Benjamin Hendrich. Celui-là, il est beau. Celui-là, il est pas mal. On décale. On a tout le bloc qui va aller vers Issaï. Et on rebalance ici. Hendrich se retrouve tout seul. Le contrôle. On se remet sur le pied droit. Puisqu'il est normalement arrière droit, il est droitier à gauche. On peut repiquer, enrouler. C'est voilà, du génie. C'est du génie. Bon, on va faire rentrer les jeunes. Enfin, les jeunes. Euh, lui, il était pas mal normalement, non Brandon Williams. faut faire jouer Borna Sosa. Sosa. à gauche. Il a besoin de temps de jeu. Et euh, pourquoi pas un petit milieu centre là? Le petit... Euh Dylan, Lévite. Après, j'ai des mecs, voilà. Quand tu vois les stats, désolé, mais bon, on va faire jouer lui. Ethan Galbraith. À la place, euh, bah, les deux sont pas trop mal, mais Traoré a l'air un petit peu plus fatigué. Petit Liverpool, toujours pas de changement. Macann. Avec Sosa, avec Galbraith. Et on tourne vers Isai. Oh, Alors là. Là, le pénalty. Il, euh, il est sévère. Il est très très sévère ce pénalty. Je sais pas pourquoi. Et Lionel Messi marque le doublé. 4 à 1. 4 à 1. Oui, monsieur. Mais là, ouais, là, le pénalty. Il est totalement pété. Et l'entrée de, de Coates côté Liverpool. L'assassin l'a déculotté. Par contre, s'il y avait Bowie, Galbraith Et Galbraith Alors là, c'est la belle histoire pour le gamin. Directement, on passe le coup de fil au daron. J'ai marqué face à Liverpool en Super Coupe d'Europe. C'est la première fois que ça arrivera dans ma vie. C'est la dernière fois que ça arrivera dans ma vie. Mais là, on va peut-être le vendre au PSG là, avec, ce, avec cette action. Peut-être le nouvel espoir. Peut-être qu'il va devenir un des meilleurs joueurs d'Europe. On n'y croit pas du tout. Il saille. Il saille encore. 5-1. Là, ça commence, on commence à se régaler. C'est la belle histoire pour le, pour le gamin. Le gamin qui a la chance de, de ramener la coupe à la maison. C'est le bon match de Deadpool aussi. Hein. Le bon match de Deadpool. Dans la charnière. Et voilà Les gamins, les puceaux, qui ont été dépucelés. Puisqu'ils n'avaient jamais, quasiment tous, pour la plupart, jamais joué en équipe première. Ils ont pu côtoyer le haut niveau. Avec Messi, avec Henrich et avec Ethan. Galbraith, la star. Peut-être le nouveau Arnaud Pygmal. Beaucoup d'espoir en lui beaucoup d'articles dans la presse ben voilà un petit trophée de plus ça fait plaisir ça une nouvelle victoire et ouais sailor par contre il a pris cher lui il a été sorti assez rapidement alors qu'on avait quand même des espoirs en lui Lui, il est pas mal, mais il lui manque quand même de potentiel. Il pourrait être vendu. Ce n'est pas, pas trop gênant, je pense. Bon, les internationaux reviennent le 12 et on joue le 14. Donc, il y aura aussi de la fatigue, à mon avis. Face enfin, à Stock, ce sera une équipe peut-être un peu remaniée en vue de, du match face à Leipzig. Le record de but en Supercoupe de l'UFA. Rien que la compo de Stock, elle est déjà supérieure à la compo de Liverpool. En Supercoupe. Bon, en tout cas, je suis content là sur les derniers retours. Euh, je sais que là, ça fait un petit moment quand même. Ça doit faire une bonne semaine qu'il n'y a pas eu d'épisode. Alors que j'avais bien enchaîné. Et là, on va revenir à fond. On a pas mal de lives aussi qui ont été, été, euh, été faits. J'ai pas, pas encore mis toutes les, toutes les rediffusions, mais vraiment, on est à fond dedans. On a fini la saison avec Jax, on est en plein mercato. Et il euh, y a des redgen de partout. On a passé un cap, vraiment. Et on n'est pas prêt d'avoir fini. Mais quand même, cette carrière, on ne s'en lasse pas avec Manchester. Il euh, y a quand même toujours, toujours du challenge, des petites anecdotes. Et puis quand je vois le succès qu'a eu la carrière, à, la carrière à Liverpool, elle a eu un énorme succès et voilà, on est un petit peu sur, le, sur la même idée, euh, peut-être avec plus de réussite avec United qu'avec Liverpool. Avec Liverpool, il y avait des, des moments quand même euh, assez compliqués. Mais quand, euh, quand j'ai refait la vidéo, fait, je me suis rendu compte de certaines choses que je faisais à l'époque. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Je me rends compte des fois à quel point j'ai quand même progressé sur FM. Bien que la connaissance footballistique, je l'avais déjà. Mais en termes de, de gestion, surtout, gestion financière, gestion transfert, gestion des jeunes, gestion des compos aussi. Après, je ne suis pas non plus... Le meilleur joueur FM de la Terre, ça se saurait. Il y en a qui, qui s'amusent à, à le dire d'ailleurs. mais après c'est bon enfant. Voilà, on rigole. On rigole bien. Moi, je suis pas prise de tête, je suis pas là, on va pas prendre, on va pas prendre la mouche. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti Fasta stock silly Et on a encore... Ah ouais, bah là, ça c'est les jeunes. Par contre, les jeunes sont plus dispo et ça va revenir bon ils sont pas trop trop fatigués à part peut-être Ruben Neves Ruben Neves est-ce qu'on peut ouais, Francky aussi Pellegrini aussi euh, qui sait qu'on peut faire jouer là après on peut jouer avec une autre stratégie si on peut éviter Ruben Neves on va jouer comme ça je pense on va faire une compo un peu, euh, un peu spéciale un peu spécial, je vous l'avoue, avec Greenwood. Greenwood, Fabio Silva. Parce que Alan est quand même un peu fatigué. Tous ceux qui sont à 80% là, ça sert un peu à rien. Bastoni, Lindelof, Isai. Euh, on peut mettre Sosa à gauche. On va mettre Sosa. Euh, Cordero, oui. Vinicius est un petit peu plus fatigué. On le gardera pour tout à l'heure. Pellegrini est fatigué, fatigué, fatigué. Euh, Messi qui est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Allez, Messi. Euh, voilà. Sancho, Ricardo. On a Mbappé. On a une équipe qui a quand même un petit peu plus de gueule, mais peut-être un peu surprise. En mode un peu 4-4. Euh, 4-2-4. Euh, 4-2-4. 4-4-2 aussi. Ça compte. L'attaquant, Walter Gonzalez. Attention. Il y a aussi McGregor. Il y a Cardona. Euh, bon, Winyama, c'est pas mal. On est censé être quand même au-dessus, des mecs. Allez, c'est parti. Avec une attaque à deux pointes, ça peut être assez intéressant de voir Greenwood et le chauve Fabio Silva bosser ensemble. Ah, Dibala. Dibala, le, le coup. Il a pris un coup. Greenwood qui va centrer vers Cordero. C'est un petit peu long, mais Cordero, c'est un monstre. C'est un monstre But de Kylian Mbappé. Ah Dibala. Dibala le coup. Euh, on va faire un truc un peu pareil. On va faire entrer Lionel Messi en milieu centre. Voilà. Euh, en meneur de jeu. Euh, voilà. Il a la technique. Il a peut-être un peu moins la vitesse comme à l'époque. Mais il peut jouer, je pense. À ce poste là. À l'âge qu'il a. C'est récupéré par Lindelof. Dibala, il est peut-être fatigué, il veut sortir. Mais il est là. Cordero. Cordero le centre. Ça va être récupéré. Ouh là. là. On n'était pas loin du deuxième. Allez, on préserve un petit peu d'Ibala. Entrée de Lionel Messi, justement, sur le coup franc. Quel coup franc Mbappé Golasso Mais que s'est-il passé dans la tête du gardien Et là, je ne comprends pas, là. Mbappé qui vient claquer la tête. C'est légèrement touché, mais le gardien, voilà. Euh, le gardien laisse passer le ballon, peut-être qu'il voulait s'acheter une nouvelle Bentley. Donc il s'est dit euh, voilà, on va penser à ça. Lindelof avec Issaïe ça sent la Oh là là là, quel but Quel but de Cordero qui est plus haut que tout le monde et qui vient claquer une nouvelle tête sur ce magnifique centre d'Isaï. Elle vient centrer. Magnifique et Cordero qui est le plus haut et qui bat euh, le gardien, Mais il a un problème Bentley ou quoi là Ouais, ouais je sais pas. Je ne le sens pas en confiance. 3-0 à la 31ème minute. Mbappé qui va s'entrer à nouveau. Fabio Silva Et c'est le but Voilà, le crâne d'œuf qui vient percer la coquille. Je fais des commentaires, ça, ça passerait jamais, t'imagines, sur une chaîne. T'imagines Stéphanie qui dit ça. Ah, le crâne neuf, il perce la coquille. Il parle pas du tout comme ça. Mais bon. <laughs> ça veut rien dire, mais bon. On, on se régale. 4-0. Euh, Je pense que Stock City, il y a un gros souci. Il y a un gros problème dans le potage. Ça pousse pas. Greenwood, qui est plutôt en rôle de soutien. Hein. Greenwood, on le voit pas dans l'axe comme on l'attendait. J'avais mis les deux... Ça c'est pas trop mal joué ça C'est pas trop mal joué Arsène Mais si Avec Delali Il a une bonne frappe Il a une bonne frappe Delali Et ça fait le quatrième Quatrième ou cinquième C'est le cinquième On n'arrive plus à compter Il y a trop de buts là On va appeler Julien Lepers Il y a trop de buts <laughs> J'arrive plus à compter Ça va trop vite 5-0 Et Delali C'est pas le micro qui a bugué, c'est moi qui suis euh, entraîné à faire les choristes. Oh là 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 là, là. La frappe enroulée instantanée Qui vient mettre le sixième 6-0 à la mi-temps, mais qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on fait euh, Moi je vais prendre la pause café et je laisse les joueurs jouer tout seuls en fait. Là on peut préserver Mbappé on fait rentrer le Ricardo. Ricardo Et je pense qu'il y a du Sancho qui va jouer aussi. Bon mais là les mecs euh, je suis très content. Voilà, continuez sur ce rythme. Si on peut en mettre 12, on va en mettre 12. On va pas se gêner. C'est des primes de but qui vont tomber Donc allez-y. Hein. Allez-y les mecs Bentley. Ah, là c'est le cauchemar. C'est le cauchemar pour Bentley. C'est récupéré Ricardo. Avec Messi. Quel ballon. Quel ballon Pour Sosa, pour Cordero. Le centre et le but mais ils ont Greenwood, 4 minutes après la reprise, c'est le 7ème. C'est le septième but. Là, je pense que c'est la vidéo avalanche. C'est la vidéo où il va y avoir beaucoup de buts. Il y en a eu 5 tout à l'heure face à Liverpool. On en met 7 ici et c'est pas terminé. Quelque chose me dit qu'on va peut-être atteindre les 10, ça serait beau. Il saille. le centre sur tous les centres. Tous les centres, ça passe. Mais si avec Cordero, <laughs> On s'arrête plus On s'arrête plus, bordel 8-0 et Cordero, c'est la barre rentrée. En plus, les, les buts, les buts sont magnifiques. C'est pas euh, voilà, on marque tes penalties, euh, on marque des buts de merde. Là, le but, euh, voilà, Bentley, tu peux faire ce que tu veux. Je pense que c'est bien de, de poser ta retraite. Euh, voilà. À 31 ans, tu peux t'arrêter sur ça. Pas obligé d'insister non plus. Place aux jeunes. Et on va continuer. Penalty <laughs> Ah c'est incroyable, on va faire tirer Messi. Incroyable. Ah c'est Delali. Delali va aller chercher le coup du chapeau, il a raison, 9-0. Et euh, il va peut-être garder le ballon, puisque c'est son troisième but. Et il le mérite, euh, lui aussi il le mérite. Il le mérite, Delali. D'ailleurs, est-ce que ça ne serait pas lui le, le remplaçant euh, de Dybala il a, encore, euh, il a encore quelques années devant lui. Et Dibala n'est pas encore parti, attention. Allez, il en manque plus qu'un. Il en manque plus qu'un pour faire le score à deux chiffres. Oh là là, et Cordero, quelque chose me dit que Cordero il a envie d'en mettre un. Fabio Silva. Oh là 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 là. Qui sait qu'on peut faire jouer là Qui sait qu'on peut faire jouer Qui sait qui va participer à la fête Si je fais rentrer Vinicius maintenant, ils sont foutus. <laughs> On va faire rentrer Sancho, mais c'est pareil. Hein. Sancho, c'est très fort aussi. C'est juste qu'il a besoin d'un petit peu de temps de jeu, un petit peu de confiance. Tandis que sur les autres terrains, on a Liverpool qui galère face à Tottenham. Euh, voilà. Allez, les mecs. Messi sur le corner. Je veux le 10 Par contre, là, s'il n'y a que 9-0, ça va gueuler. Non, oh, c'est bien beau de faire les malins. Les mecs, on gagne 9-0. Delali peut-être le quatrième. Ricardo, et oh, se bouge Ricardo ou quoi, là Non, mais oh. On n'est pas chez Hélène et les garçons, là. Je ne sais même pas s'il y a un mec qui s'appelle Ricardo, je n'ai jamais regardé. Delali, avec Isai. Renoud. Et Delali, le quatrième, ça fait 10. Oui. C'est remporté, les mecs. Allez, alors là, là, je paye la tournée générale dans le pub à Manchester. Là, on commande la girafe, 3 litres de bière. C'est plutôt, c'est plus une girafe, là, c'est un éléphant qu'il vous faut, les mecs. C'est un éléphant de bière. Sans déconner, 10-0. 10-0 Non mais rendez-vous compte. Euh, on dirait qu'on joue contre des poussins là. Là c'est comme quand t'étais gamin et que l'arbitre ici fait la fin du match à la 40 e minute parce qu'il y avait déjà 23-0. Et du coup, bah, t'arrêtais le match, tu signais forfait 25-0 parce que ça servait à rien de faire 90 minutes. Si on, par contre, si on prend un but, les mecs, on annule la tournée. On annule la tournée directe. alors là, vous allez boire du picon et vous allez boire des trucs un peu dégueulasses. Mais si. Oh, mais si. Et le 11ème, là. 10-0 seulement. Voilà, c'est la déception. On fait 16 tirs cadrés. Il n'y en a que 10 qui rentrent. Voilà. Ma Delali, nous a fait un match. Il nous a fait un match, le Delali. 4 buts. Magnifico. Bravo. Bravo, Levaux. Je peux rien dire d'autre. Voilà, c'est. On est sur un petit nuage. On va peut-être redescendre très vite. Mais si on peut mettre quelques buts de plus à Leipzig, on sera assez content. On aura fait une vidéo assez prolifique. 10-0. Voilà. On soigne un petit peu le Golavérage. à 3 jours. La classe. Évidemment, euh, on va faire tomber des records là. Je sais pas si c'est le record. Ah, il y a les observations qui vont tomber. J'avais observé quelques joueurs, notamment Salvador Molina. Milieu offensif, monstrueux. Lui aussi, il est sur ma shortlist à seulement 20 ans. À seulement 20 ans. Il avait fait une saison déjà à 17 buts. Il est monstrueux. Il est monstrueux. Donc lui, hop, on va se le mettre à la sélection. Merci, Davidoff. David, oh là 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 Stanislav Davidoff oh, Lui, je le veux. Le potentiel, le niveau actuel, la recommandation, voilà. Il coûterait pas trop trop cher en plus. Je veux Davidoff. Cesse de tir de loin. Il est technique. Je veux Davidoff. Voilà, C'est dit. C'est dit. Il est déjà dans ma sélection. Euh, voilà. Est-ce que j'ai le budget J'ai que 16 millions maintenant, mais euh, il ne paie rien pour attendre. Davidoff, t'es pas loin. Lui, il est pas mal aussi. On l'a vu tout à l'heure. Samardzic. Ça pourrait être pas mal. Peut-être une marge de progression un petit peu plus faible. On va quand même le mettre à la sélection. Rogers. Après, j'avais regardé des anglais aussi. Parce que bon, il faut quand même garder, quand même garder le côté anglais. Lui, il peut être pas mal. Hein. Il peut être pas mal pour l'avenir. Jonathan Hale. On va se le mettre à la sélection. Lui, il est pas ouf. Taylor est pas ouf. Patrice Le Breton. Ça, c'est pas... rien que pour le nom. Moi, je veux ça. Euh, tu vois. Le... Et le but du breton, eh oui, Patrice le breton, voilà, tous, tous les bretons vont se reconnaître en ce joueur, on va le mettre sur la, sur la shortlist si jamais il y a un petit, un petit troll à faire, voilà, peut ça peut être la mascotte, il nous faut une mascotte, voilà, depuis qu'on a plus Big mal, on est on a sans repère, on est sans repère, Maroni c'est pas mal aussi, mais bon, à ce stade-là, je pense qu'il est au max, euh, Gérard Vitulin, lui, il est fort par contre, Lui, est très très fort. Très très fort le Gérald Hugo Neves potentiel intéressant cherchez des gardiens aussi Ben Bruce notamment bon potentiel le Ben Bruce Mendes c'est pas ouf Trento non plus ça c'est pas terrible Mitch euh, ouais ah lui peut être pas mal Gonzalo Vasconcelos effectivement il a le mérite qu'on puisse s'intéresser un petit peu. Le Barkov aussi. Sunberg, non non. Vukelic pas mal. Pas trop mal. Ah, Nichols oui par contre. Lui par contre ça peut être un monstre. On voit, on voit ça. Lui ça peut être un monstre. Lui il est déjà sur ma shortlist. Euh, Jerry Jerry Nichols. Et à lui pareil. Ben euh, Ben Van ça peut être un box-to-box en -box puissance en plus. Lui, il m'intéresse. Lui, il m'intéresse beaucoup. Euh... Van. Ben Van. On va se le mettre de côté. Euh, lui, il peut être pas mal. Euh, bof. 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 Bof, bof. Ouais, record la plus large, tu m'étonnes. Eh, c'était 9-0, le record. Hein. Le record, c'était 9-0. On a mis le dixième, donc euh, j'ai bien eu raison d'essayer d'aller chercher le dixième. C'était déjà tenu par United en 95-9-0 face à Ipswich. Elle va être compliqué leur compo, je pense. Surtout qu'Antonio Marine, on l'a eu chez nous et moi, j'ai pas voulu le garder. Voilà, On s'est engueulé en allemand. Pourquoi en allemand Il est croate. Le mec, il pète un câble. L'équipe type de la semaine, bon, forcément, il y a des joueurs de chez nous. Il y a Greenwood. Il y a Greenwood. Le petit briefing. Et on part pour le dernier match de cette vidéo. Face au Rasenball Sport Leipzig. Et là, on va re peut-être reprendre notre. Euh, notre compo. Quoique, en fait, les mecs, moi j'ai joué avec ça, j'ai gagné 10-0. Hein, en fait. Voilà. Alors que quand je joue avec ça. Euh, je sais pas. À voir. C'est vrai qu'avec deux attaquants, on avait été monstrueux. Mais c'était Stock City, donc. Euh, peut-être. Euh... On va ah, peut-être faire gaffe. Euh, en vrai, voilà, Ali avait le box-to-box. Donc, il va rejouer quand tu fais un match comme ça. Voilà, moi je l'ai toujours dit, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. c'est pas parce que bon, ben, j'ai Lorenzo Pellegrini, qui est pas sélectionné. Euh, voilà. euh, j'ai Ruben Neves. J'ai Ruben Neves. J'ai De Jong. Mais euh, actuellement, c'est Ruben Neves est quand même un petit peu au-dessus. Bastoni Lindelof. Isai Henrich. Même si plutôt Henrich, pour moi, et... Et là, euh, Grimaldo, Grimaldo, Henrich Cordero. Euh, on avait dit qu'on mettait du Vinicius Junior, dit balles Mbappé. Là, on est sur du top. Euh, on a Hollande qui va rentrer, je le veux. Je le veux, Erling. On a Issa, on a Cordero, on a Benkovic. Enfin, Benkovic, c'est toujours euh, Toujours aussi bon. 7,63. C'est toujours aussi bon, Benkovic. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que Benkovic ne soit pas titulaire. Oh, 7,87 pour Bastoni. Oh là là, on a des moyennes. Là, on a des moyennes qui sont très très élevées. Là, là on fait un début de saison. Bon, après, le, le match face à Stock City, ça a bien remonté les moyennes aussi. Et Messi qui est pas dégueu. Hein. Pas dégueu. Il fait le rôle. Mais après, je l'ai pas enregistré en Ligue des Champions. Voilà, je n'ai pas envie de me couler non plus. Il est pas. Physiquement, il tiendra, il tiendra pas un match entier. Euh, Eddie Salcedo, Antonio Marine, qui a fait du chemin depuis... Moi j'avais prêté trois saisons, euh, jamais été convaincu, convaincu. Offenheim, il allait libre, il a fait un bon coup parce qu'ils l'ont fait jouer, et ils l'ont revendu 40 millions. Samardzic Sabitzer c'est force. Bastien, Endombele, ça peut être un milieu très solide. Très, très solide, Endombele, bon voilà, on le présente plus. Euh, et Samuel Bastien, c'est pareil, c'est un profil qui est très complet qui est vraiment pas mal. À droite, euh, on a Jorge Palma. Il est pas mal, il est assez rapide, assez puissant. Quasiment 1m90. On a Cross également. Tobias Cross, Pas mal du tout. Pas non plus pour moi. Il est puissant, voilà. Il est puissant. On va pas, on va pas nier ça. Davide Betella. Pas trop fan. Et après, Maximilian Wauber, qui est plutôt axial, mais qui va jouer à gauche pour ce match-là. C'est pas mal. Et on a Marcus Schubert dans le but. C'est pas trop, trop mal. Allez. On est en confiance. Que demander de mieux On est chez nous. On commence les groupes. Et on va essayer de s'imposer directement. Pour, euh, pour se qualifier le plus vite possible et, et pouvoir faire tourner en vue des autres échéances. Le corner de Bastien et Moubenga qui s'interposent. Et Bastoni à la relance avec Ruben Neves. Vinicius Junior, alors là ça va aller très vite. Là ça va aller vite. On change d'elle avec Mbappé. Mbappé oui, Il se fait tacler. Il va aller tout droit à Mbappé. On ne comprend pas. On ne comprend pas le bonhomme. Attention, dit Salcedo Lui, il est fort. Lui, il faut le marquer de près, là. Salcedo, faut pas le laisser. faut pas le laisser jouer. Ruben Eves avec Delali. Ruben, Del. Enrich. Enrich. But de Fabio Silva de la tête. On est pas mal, hein, cette, cette saison, là, sur les centres-têtes. Ça marche assez bien. Et Lukaku, buteur avec le Milan. Sa carrière n'est pas, pas morte. Et Salcedo à la contre-attaque pour Leipzig. Ça peut aller vite. Hein. Le, leur attaque est quand même pas dégueu. Salcedo, peut-être le bon ballon. Enrich qui relance mal vers Antonio Marine. Marine. Et c'est bon, on va pouvoir récupérer. Dibala, ça va vite. A Vinicius Junior. Oh là là, Vinicius Junior. Il va tellement vite que. Il prend de plein fouet David Ebétella. Attention par contre Attention à ça Le défenseur qui remet le pied là. C'est Bastoni, je crois, Bastoni qui met le pied et qui évite la frappe. C'est plutôt bien joué. Ouais, ça c'est pas trop mal. On sent, on sent quand même le potentiel offensif de la psych. Même si jusqu'à présent on arrive euh, bien à, à les gérer. Un petit. Voilà, un deuxième but, moi ça, ça m'irait bien. J'aimerais bien marquer un deuxième but. Faites-moi plaisir, les mecs. Faites-moi plaisir, Vinicius. <laughs> Et Valence qui met 4-1 à Salzbourg. C'est la mi-temps. Bon voilà, 1-0. On peut euh, graver le score en deuxième mi-temps, je pense. Allez, on va essayer en tout cas. C'est pas perdu. C'est pas perdu pour Leipzig. 62e déjà. Et je l'avais dit, Erling Abland qui va rentrer. Et nous avons également Cordero. J'ai trouvé un peu personnel Vénicius Junior et Mbappé des fois il fait la même. Alors qu'on peut combiner, on a 10 ballons en soutien, on peut, on peut créer. Les mecs ils prennent le ballon et on fait la fusée. Ça marche pas à tous les coups. Grimaldo qui est obligé de se replier un petit peu avec Bastoni. Et on insiste avec Cordero. C'est très bien joué, ça c'est très bien joué, ça a bien combiné, ça permet à Grimaldo de monter et le gardien qui s'en sort pas mal, à hein, Schubert. 7,4 pour le gardien. Allez, on va faire le dernier changement là pour euh, une dizaine de minutes. C'est Ricardo. Faut que je fasse en... oh, Attention, je peux pas faire. Si je prends un coup franc. Euh... Je pense pas que c'était Grégory Sertic, quand même. Je prends un coup franc de Grégory Sertic. Je pense que ça va rester un petit peu en travers. Bien joué, Delali. Ah voilà, par contre. On se fait tacler là-dessus. Faut pas faire d'erreur. pas faire d'erreur. Tranquille. Voilà, Moubenga. On rejoue. Avec Henrich Et Ruben Neves. Allez, les gars. Ricardo. Bon, on va. Il reste une minute, on a fait le plus dur, on, a, on va gagner un 0 je pense, 1 ou 2 0, là on arrive à, à en marquer un peut-être. Voilà l'intermédiaire euh, de Dipalade, Alan peut-être, c'est Cordero qui marque le deuxième but, voilà c'est un petit but bonus. Mais au moins ça nous permet d'avoir un score euh, un peu plus mérité vu la domination. Et ça nous fera quand même un total de 17 buts en 3 matchs. 17 buts marqués en 3 matchs. Je pense qu'on s'est plutôt régalé dans cette vidéo. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. L'homme du match c'est Grimaldo. Grimaldo qui est toujours dans les bons coups. Je pense que Verton, ils ne sont pas sereins. Les hein. <laughs> Verton, ils se disent, ah, on reçoit United. Ça va être compliqué. J'espère qu'on ne va pas en prendre 10. PSG qui s'impose grâce à Kiesa et Pellegrini notamment. La défaite du Barça. La défaite de l'OM. Valence qui est pas mal, notamment grâce aux Français. Aux Français, euh, Kondogbia et Diakabi. Bon, bah c'est parfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur, euh, sur ce qui s'est passé, sur les joueurs que j'ai regardés. Par exemple, est-ce qu'on a le choix entre, euh, entre Davidoff ou entre. Euh, comment il s'appelle Ou entre Molina Il y a quand même du beau monde. Il y a Lamardzic aussi. Euh, bah, j'ai fait de belles observations qui peuvent être assez intéressantes pour la suite. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous.